Dans nos vidéos de la Compact Academy, nous allons vous montrer comment bien installer la porte empilable compacte. Mais d'abord, nous ferons quelques préparatifs. Nous allons expliquer ce qu'il vous faut pour l'installation et ce sur quoi vous devez faire attention. Nous allons tout d'abord vérifier si les dimensions de la porte sont correctes. Les caractéristiques de la porte se trouvent sur l'étiquette d'emballage. Après nous être assurés que le dimensionnement est correct, nous allons vérifier si la surface de montage est solide et si l'ouverture libre est parallèle et de même niveau. La porte ne peut bien fonctionner que si elle est montée sur une base stable et nivelée. Il est aussi très important d'avoir les bons outils. Ici, vous pouvez voir les équipements dont vous avez besoin pour installer une porte empilable compacte. N'oubliez pas que votre sécurité est prioritaire. N'utilisez que des appareils testés et approuvés et prenez toujours les mesures de sécurité appropriées lors du découpage des rails avec la meuleuse d'angle. Vous pouvez voir ici les pièces à installer. Ce sont les pièces d'une porte standard. Des pièces supplémentaires peuvent exister dans d'autres versions. Utilisez toujours la notice de pause pour vous assurer que l'installation est bien faite. Dans les vidéos suivantes, vous verrez que les chiffres dans la vidéo font référence aux étapes correspondantes dans la notice de pause. Dans les dernières pages de la notice de pause, vous trouverez un aperçu de toutes les étapes que vous devriez effectuer. Ceci sert de checklist pour vérifier que vous avez complété toutes les tâches nécessaires. Maintenant, vous êtes prêt à entamer l'installation des rails et des panneaux pliants. Nous allons expliquer comment procéder dans la prochaine vidéo.